Mesdames et messieurs, c'est un énorme plaisir de vous présenter Dakota et Nadia. Bravo, guys. Oh, on est tellement chanceux de vous avoir ici. Vous nous amenez toujours ailleurs avec chaque numéro. C'est toujours des sujets nouveaux. Vous savez, c'est pas que technique ce que vous avez, c'est au-delà de ça. Vous nous rappelez notre humanité à chaque fois qu'on vous voit sur la scène. Merci. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent faire ça. Pour moi, c'est l'art du minimalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de surenchère. Vous exprimez... tellement de choses, vous exprimez tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous détruit. Vous pointez le doigt comme ça sur tout ce qui fait mal et vos corps le racontent. Ça va au-delà de la danse. Alors, est-ce que le sujet que vous avez touché aujourd'hui, dont vous avez imprégné toute votre technique, est-ce qu'un téléphone, ça peut séparer un couple? Est-ce que les réseaux sociaux et le net, la toile, peut mettre un vide sidéral là où il y avait de l'amour? La réponse est oui, bien sûr. Et c'est très intelligent ce que vous avez fait. J'espère que c'est pas trop intelligent, dans le sens que vous avez donné beaucoup d'émotions dedans. C'est votre force de prendre des choses qui nous sont communes à tous et vous les transformer en art, vraiment. Merci. Je suis vraiment, mais immensément fière que vous soyez dans ce programme et que vous ayez accepté de bosser avec Samy. C'était pas mal. Wow, vous avez déjà fait mieux, quoi. Non, mais je suis d'accord. En fait, le vrai truc qui m'a touché, c'est-à-dire que vous avez choisi des sujets qui sont très émouvants et très spectaculaires dans l'émotion les dernières fois. Donc, ça nous a tous mis par terre. Là, vous choisissez un sujet qui n'est pas aussi simple à aborder puisqu'il est beaucoup plus sur la longueur. Et d'ailleurs, il est dans une temporalité qui est autre. Dans la violence, on a une temporalité qui est très rapide. Là, vous avez une temporalité, vous avez décrit 20 ans de vie en 3 minutes. Donc pour ça, vraiment, je m'incline. Je trouve, en revanche, que émotionnellement, le sujet m'a moins touché que les fois précédentes. Vous le savez, je vous aime vraiment, tendrement. J'ai un respect fou pour vous. Merci infiniment. Merci.
Bravo à vous deux et à tout à l'heure. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît, Dakota et Nadia.